Bonsoir et soyez les bienvenus sur Fort Boyard. Ce soir, nous allons vivre ensemble une émission exceptionnelle pour au moins deux bonnes raisons. La première, c'est que nous allons fêter la 1000e. Et la deuxième, c'est que depuis la grande et longue histoire du fort, eh bien, nous allons accueillir pour la première fois une équipe d'enfants. Mais attention, qui dit enfant ne dit pas forcément jeu d'enfant. En revanche, je vous promets une belle partie de plaisir. Tiens d'ailleurs, en parlant d'eux, faisons immédiatement connaissance avec notre équipe de jeunes aventuriers. Ils ont entre 9 et 15 ans, ils rêvaient depuis toujours de faire Fort Boyard. Aujourd'hui, pour cette 1000e, leur rêve devient enfin réalité. Voici Yanis, il a 11 ans, il est footballeur benjamin en première année au PSG. Emma, elle a 9 ans, elle est triple championne de France de snowboard. Loïc, il a 15 ans, il pratique le basket au pôle, au sport basket de Strasbourg. Clément, il a 12 ans, il est rugbyman et joue au PUC. Iris, elle a 11 ans, elle est championne de France benjamin de ski nautique. Chloé, 12 ans, elle vient de La Réunion et pratique le tennis études à Toulouse. Ensemble, ils vont se battre pour l'association Petit Prince et vont tenter de remporter un maximum de boyards. Souhaitons-leur bonne chance. Eh ben, ça c'est de l'ambiance. Passe-partout, passe-temps, Sarah, les enfants, que demander de plus? Rien, le bonheur. Sarah, bonsoir. Ça va bien? Et toi? Oui, très bien. Très heureux de recevoir de jeunes aventuriers pour la première fois sur le fort. J'étais, moi, en bonne compagnie avec Anaïs, Mélanie et Johan, puisque nous allons jouer, vous le savez, pour Petit Prince, qui est une association qui a pour vocation eh bien, de réaliser les rêves des enfants qui sont touchés par la maladie. Vous trois, vous aviez comme rêve, en fait, d'être à Fort Boyard, c'est ça, Johan? Tu veux pouvoir voir comment ça se passait. Et alors, déçu ou pas? Non, pas du tout. Non? Comment vous vous sentez? Vous êtes super heureux, super heureux ou méga super heureux? Méga super heureux, sans hésiter. Comment tu dis? Trop content. Trop contente. Ouais, mais moi je suis trop contente, Olivier, il est trop content. Depuis hier on n'arrête pas de se dire on est trop content de vous avoir. Alors, vous concernant, quelles sont d'abord, avant qu'on commence les hostilités, quelles sont les épreuves ou les choses que vous n'aimez pas trop dans Fort Boyard? Pour les 6 qui vont... Les bestioles, c'est vrai? C'est charmant pourtant. Non. Les serpents, ils me racontaient que si vous voyez les serpents, ils allaient venir avec un bâton. Oh non, faut pas leur taper dessus. Non, non. Mais c'était pour rire, évidemment. On vous protégera. Oh, ça va. Toi, t'as peur de rien, toi, en fait, Anaïs, toi? On peut te mettre un serpent autour du cou? Non. Comme joli collier? Non. Pas à ce point-là non plus. Je suis copain avec eux, mais je peux même dormir avec eux, mais pas question de m'en mettre un tour de cou. Mais attention à ce que tu viens de dire, hein. Si t'es capable de dormir avec les serpents, nous on va te prendre au mot, hein. Oui. D'autant que Passe-Temps va s'occuper de vous trois, de Johan, de Mélanie et d'Anaïs. Vous allez être entre de bonnes mains, il va vous faire découvrir tous les dessous cachés de Fort Boyard. Et puis on se retrouvera à la fin de l'émission, hein, d'accord? Eh bien encore, soyez les bienvenus vous trois aussi, bien sûr, sur le fort. Passe-Temps, tu t'occupes donc de nos trois enfants et puis on se retrouve donc tout à l'heure. Allez-y, je vous en prie. Vas-y Anaïs, suis tes petits camarades. Nous concernant, vous le savez maintenant, 45 minutes seulement pour récupérer 7 clés importantes pour le déverrouillage de la salle du trésor. Impératif si vous voulez récupérer donc les boyards pour l'association. Bonne chance à tous les 6. Ah ben tiens, voilà. C'est le gang, c'est parti. Bonne chasse aux boyards, la boule n'a pas perdu de temps. C'est parti. Allez, on suit Passe-Temps. Pour entrer dans la salle du trésor, l'équipe doit tout d'abord déverrouiller la porte qui la protège. 7 clés sont nécessaires. Elles s'obtiennent en réussissant des épreuves physiques ou en répondant correctement aux énigmes du perforat. Attention, si un candidat ne sort pas d'une épreuve avant la fin du temps imparti, il est fait prisonnier et envoyé dans les geôles de Fort Boyard. Et voilà, les petits chauffeurs sont là. Parfait. Alors, mes amis, pour cette première épreuve, je vais d'abord vous poser une devinette. D'accord? Ça commence. Vous écoutez? 1. J'aime l'eau. 2. J'ai 11 ans. 3. Je fais du ski nautique depuis l'âge de 2 ans et demi. 4. Je rêve de faire la première cellule. Je suis... Iris. Oui, en effet, bien joué. Iris, c'est pour toi. Voici cet instrument qui devrait t'aider à récupérer la clé. Bonne chance. Première clé, premier enjeu. Attention, c'est parti. On va pas crier comme des malades. Loïc, tu vas te mettre à côté de la porte pour lui donner des conseils. Elle doit remplir le tube d'eau. Dis-lui de bien bloquer. Bien avec tes mains, bloquer. Voilà, avec les paumes des mains. Il faut qu'elle passe sur le ventre ou sur les genoux à quatre pattes. C'est très très bien. Surveillez la clepsydre, hein, vous savez que... Allez, c'est bon.
très bien, elle se débrouille très très bien. Après, il faut qu'elle aille tout doucement quand elle verse l'eau dans le tube. Viens, allez. Dis-lui bien, c'est doucement. Après, tu verses doucement. Doucement, t'as le temps. Ah, ben ça, tu fais tomber. Par-dessus maintenant. Elle aille par-dessus. Elle se débrouille très bien. Voilà, très doucement, très doucement. Il faut que ça arrive jusqu'à la bague, le cercle qui est en métal, ça suffit. Voilà, ça avance très très bien. Il faut qu'elle continue dans l'autre. Apparemment, il lui restait plus d'eau. Donc il faut qu'elle retourne en chercher. Il faut qu'elle C'est vraiment bien, bravo. Remplis bien, Iris. Ça se voit que vous connaissez tout par cœur, hein. On n'a pas. Allez, Iris, allez! On n'a pas touché! Elle se débrouille très bien! T'attends, Iris, t'attends! Bouge bien! Alors, votre avantage à vous, c'est que vous pouvez plus bouger, faire des choses que les adultes ne peuvent pas faire. Par exemple, elle fait ça à quatre pattes. D'habitude, on ne peut pas, il faut être sur le dos ou sur le côté. Bouge bien, bouge bien, bouge bien! Allez, Iris, Très doucement! Elle peut utiliser sa main pour entourer le tube et pour éviter l'eau de couler à côté. Ça avance, très bien. Surveillez le temps quand même. Encore un, attention, accélère. Encore une. Elle a déjà commencé à prendre. Allez, Iris. Allez, il faut vite qu'elle se dépêche. Allez, dépêche. J'ai largement le temps. Elle est très très bien au niveau du temps. Toujours surveiller la clepsydre. Vous vous rendez compte si vous commencez avec une clé déjà d'entrée de jeu? Une première clé. Perds pas trop d'eau. Bien joué. Vas-y, Iris, vite, vite. En plus, maintenant, elle connaît le parcours, elle l'a fait deux fois. Allez, Iris. On perd pas trop, là, ton père. Elle bouge bien, ouais. Allez, Iris, vite, Doucement, elle a le temps. N'en perds pas. C'est génial. Maintenant, elle peut récupérer normalement. Oh, j'espère qu'elle va pouvoir récupérer la clé. Allez, encore un voyage. Parce qu'elle a perdu trop d'eau. Un dernier. Si, elle a le temps. Justesse, t'as réussi à avoir la clé. Première clé, tu la donnes à Passepartout. Et ça mérite un premier cri de guerre, tous ensemble, comme ça, autour. 3, 4. Pour la petite prince, les petits champions sont là. Pour les petits princes, les petits champions sont là. On va voir, on continue, d'accord? C'est génial. Commencer avec une clé comme ça, ça met de bonne humeur. Allez, on y va, on continue. Joie et allégresse dans les cœurs. Comment c'était, Iris? Bien. Ouais. Bravo, ma chérie, bien. T'as eu de justesse, hein. Super, première clé. Continuons comme ça. Plus que 6 maintenant à récupérer. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà rêvé d'être Spider-Man? C'est l'homme araignée. Non, personne n'a jamais rêvé de monter sur les murs comme ça, de grimper un peu partout. Et pourtant, c'est fort pratique, surtout pour récupérer une clé. Loïc, je te propose de venir près de moi. Comme les super-pouvoirs ne sont pas en votre possession, on va t'aider un peu avec des barreaux de ce type-là. Tu vas te saisir déjà de ce premier. Entrer là-dedans, on va t'équiper. Et ensuite, eh bien, on t'expliquera ce qui t'attend. Vas-y, je t'en prie. Allez, Loïc. Là, vous reconnaissez, c'est la... c'est l'échelle infernale. Bah, je crois qu'il y en a quelques-uns, là, qui voulaient faire. Ouais. Voici que Antoine vient d'équiper Loïc. Comme ça, il est... totalement sécurisé. Il est toujours en possession du barreau que je lui ai remis. Loïc, c'est bon? Ouais, c'est bon. Top, c'est parti. Allez, on l'encourage. Allez, il faut toujours qu'il garde bien le fil qu'il a, le fil qui le tient en sécurité devant lui. Attention. Ça, il le fait déjà bien. Garde bien son fil. Fais attention, ça tombe pas. Il prenne tous les barreaux. À sa droite, voilà, il y a des barreaux. Tiens, dis-lui. Tous les barreaux à ta droite. Ouais. Bien joué. Allez, encore là. Allez, Loïc! Voilà. C'est bien, continue! Il se débrouille bien. Alors, qui me disait que c'était son rêve de faire cette cellule? C'était toi, Clément? Bon, alors regardez, il faudrait qu'il arrive à mettre ses pieds sur les barreaux. Ceux du bas. Tiens, tu lui dis. Emma.
Emma, tu lui dis de prendre les barreaux à droite et qu'il mette bien ses pieds sur les barreaux, tu vois, pour que ça fasse échelle. Prends les barreaux à droite et mets bien les barreaux pour que ça fasse une échelle. Ce qu'il faut dire, c'est quand même une des épreuves les plus difficiles du fort. Hein. Donc c'est quand même incroyable déjà que vous soyez jusque là. Prends les barreaux à droite. Qu'il se balance un petit peu vers l'avant, dis-lui. Balance-toi un peu vers l'avant. Et surveillez toujours le temps. Hein, pour l'instant, ça va, on va pas paniquer encore. Ça va, t'as du temps. Là, il se balance un peu trop. C'est très, très dur. Hein, ça... Il faut beaucoup, beaucoup de force dans les bras, dans les jambes. Prends tous les barreaux. Allez, re-essaye. Qui re-essaye direct. Dis-lui de grimper direct. Essaye de grimper direct. Voilà, et qui remette bien. Il y a un barreau qui est mal mis. Voilà, il vient de le faire. Très bien. Essaye de grimper direct. Il a encore le temps, hein. Il peut vraiment y arriver là. Tu peux y arriver, t'as du temps. Alors il faut jamais, il faut dis-lui d'essayer de ne jamais laisser tomber ses pieds. Tu vois qu'il essaie toujours de garder ses pieds accrochés sur les barreaux. Dis-lui, oh, oui. Laisse-les accrocher sur les barreaux. Toujours. Oh. C'est dur, hein. Elle s'accroche des pieds. Bon, alors dis-lui de lâcher maintenant qu'ils reviennent parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Reviens, reviens, reviens. Bon, alors déjà, Loïc, la première chose, c'est félicitations, vraiment. Là, on vous a juste montré, on a été très dur avec vous. On vous a juste montré à quel point c'était dur. T'as senti la force qu'il faut dans les bras, dans les jambes. Tes impressions, raconte-moi. Très dur. Tu pensais pas que c'était aussi dur, hein? Non. Quand tu voyais ça à la télé, tu te disais tranquille, tranquille. Clément qui me disait j'ai envie de faire l'échelle infernale. C'était quoi qui te posait le plus de problèmes? Les avant-bras, c'est affreux. Tu vois, il faut beaucoup, beaucoup de force. Il faut dire que c'est vraiment une épreuve très, très dure. Et c'est vrai que si on vous l'a donnée, celle-là à faire, c'est parce que vous nous disiez, enfin, pour la plupart, que c'était une de vos cellules préférées. Sarah, je suis en vigie avec le père Fourat. Et j'ai une petite énigme qui n'arrête pas de crier. Yanis, Yanis, viens me résoudre. Alors le mieux, Yanis, à mon avis, c'est d'y aller. Faire connaissance avec le père Fourat. Allez, Yanis, allez, on compte sur toi, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, sérieux, mais tenez-moi ça, Olivier. Petite cachette, attendez, laissez-moi deviner. Non, non, dites rien, dites rien. Ça, c'est un boomerang. Arrêtez-le-moi, allez. Mais c'est quoi, en quelle matière, ce truc-là? Olivier, rendez-moi ça. Là, c'est un goût de vieux champignon des bois. Je sais pas ce que c'est. Allez, dites-moi ce que c'est. Donnez-moi ça. C'est simplement mon chausse-sandale, Olivier. Je m'en sers plusieurs fois par jour. Ah oui, d'accord. Je l'ai depuis que je suis tout petit. C'est peut-être ça alors le goût. Bon, mais très bien. Je pense même que mon arrière-grand-père l'utilisait déjà. Oh, je déteste qu'on y touche. Je le mets là, je n'aime. Enfin, oh là, pas toucher mes affaires. Oh, c'est superbe. Le fort est enfin ouvert aux enfants. Pour une fois, c'est moi qui vais m'efforcer d'être à la hauteur. Yanis, ouh, coucou. Ah, mon petit Yanis, bonjour. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être ici? Bien. Oui, et bon, alors là, vraiment, il est plus grand que moi. C'est injuste, ça. Hein. Et est-ce que je te rappelle quelqu'un dans ta famille? Non? Tant mieux pour. Hein. Je pense que ça ne m'en fait pas trop plaisir. Bon, alors, on est ici pour gagner, mais aussi pour s'amuser. Oui. Parce qu'il faut toujours s'efforcer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Hein. Bon, on ne va pas perdre trop de temps, on va y aller. Yanis, écoute bien. On va lever les yeux maintenant. Attraper de l'arthrose. Bon, c'est un temps de basse température qui voit l'eau devenir dure. L'hiver. Bien, encore. L'hiver. On l'utilise en coiffure pour dompter ce gel. Le gel. Mais on n'a même pas besoin de mettre le temps. Ouais. J'ai même pas le temps de répéter rien. Il a trouvé. Mais oui, c'est le gel. Le gel est un temps très froid. Le gel transforme l'eau en glace. Le gel est un produit qui sert à faciliter la coiffure. C'est la mienne qui a fait penser, j'en suis sûr. Hein, il a dû voir mes cheveux, il a pensé à gel. Bon, alors on se refroidit pas parce qu'il y a que le gel. Allez, hop, on descend l'escalier, ça va réchauffer. Allez. Allez, petit Yanis, bravo. Et voilà. Un enfant passe et tout s'efface. Ta-ta! Oh,
parce que moi, je change une casserole. Ça me donne une idée tout ça. On va créer la première chorale de Fort Boyard. Oui. Ce serait pas mal. Je trouve que c'est une très bonne idée. Emma, mon petit. Viens donc ici. Tu as confiance en moi? Oui ou pas? Oui. Oui. Alors tiens, je te propose de t'équiper. Yanis, bravo. Bien joué, donne ta clé à Pascal. Champion. Bien. Alors après Yanis, c'est maintenant au tour d'Emma. Emma, je sais que tu es triple championne de France de snowboard, hein, ce qui n'est pas rien. Alors là, avec cette épreuve, on va voir si tu es aussi à l'aise sur la neige que sur la pierre. Je te donne un conseil. Ne slalome pas trop, tu vas tout droit. D'accord? Allez, parfait. Emma. Attention, tu rentres. Vas-y, tu te diriges tout droit devant toi. Allez, Emma. Allez, Emma. Allez, Emma. C'est la corniche. C'est parti. Allez, Emma, allez. Allez, Emma. Allez, Emma. Va doucement, Emma. Ce que fait Emma, c'est très impressionnant. Et là, je dois admettre aujourd'hui, que je suis avec vous, que c'est vraiment quelque chose qui, personnellement, me ferait très, très peur. Et elle se débrouille très bien. Elle va vite, en plus. Attention. Loïc, tu peux te mettre à l'entrée de l'escalier pour lui donner des petits conseils, allez, la rassurer sur le temps. Allez. C'est très impressionnant et ce qu'elle fait, c'est vraiment extraordinaire et je pèse mes mots parce que c'est vraiment difficile. Allez, Emma, maintenant, dépêche. C'est bien, allez. Encouragez-la. Allez, Emma, allez, Emma. Il faut qu'elle... vraiment qu'elle trouve son équilibre, c'est très difficile cet endroit-là. C'est le passage allez, Emma, allez, compliqué de cette épreuve. Allez, Emma. Dis-lui qu'il allez, pas, allez, allez. Dis-lui de ne pas s'inquiéter parce que la sécurité la suit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Emma, t'as pas besoin d'avoir peur. Allez, Emma. C'est tout. Allez, Emma. Allez, Emma. Ça y est, elle a réussi, elle a passé le cap difficile. Génial. Comme quoi ça sert les encouragements. Il faut qu'elle récupère la clé. Elle y est presque, elle y est presque. Allez, Emma! Ouais, génial, génial. Maintenant, il faut que... la clé est au-dessus d'elle. Dis-lui que la clé est au-dessus d'elle. Oh, regardez comme elle est souple. C'est bien, Emma! Bravo! Bravo, Emma! Maintenant, il faut qu'elle revienne, il faut qu'elle revienne. Elle passe l'anneau autour du bras, comme ça elle va pas perdre la clé, parce que ce serait dommage que la clé tombe dans l'eau. Hein. Passe l'anneau autour de ton bras. Elle l'a fait ou pas? Voilà, voilà, j'ai l'impression qu'elle y arrive. Bravo. Génial, génial. Elle a... Loïc, dis-lui qu'elle a fait le plus dur. Elle a vraiment fait le plus dur. Et la moitié du chemin, plus que la moitié du chemin, elle a la clé. Maintenant, il faut qu'elle nous la ramène, cette clé. Allez, Emma, allez! Il faut que tu nous la ramènes! Allez, Emma! Super! Allez, Emma! Vous trouvez pas que c'est impressionnant à voir? On dirait une toute petite fourmi sur cet immense port. Allez, Emma! Non, c'est la troisième clé que vous avez. C'est ouais. Déjà très très bien. Hein. La clé, tu la donnes à Passepartout. Et Mata, quel âge? Rappelle-moi quel âge tu as. 9 ans et demi. 9 ans et demi. 9 ans et demi et elle était accrochée
sur le fort comme ça, c'était super, bravo. Vraiment bravo. Ouais. On continue, on perd pas de temps, hein, parce qu'il faut quand même respecter le temps pour récupérer les 7 clés. Vous voyez qu'ils allaient être impressionnés, mais c'est moi qui suis impressionnée par eux. Oui, tu n'es pas la seule, moi aussi. Alors Emma, viens ici. C'est hallucinant. Tu te rends compte de ce que tu as fait ou pas? Je crois qu'ils se rendent pas compte. Non, hein, pour toi, c'était un peu a piece of cake, comme on dit en Angleterre. Hein. Voilà, bon. dans 20 ans, quand ils regarderont Fort Boyard, ils ont « j'ai réussi à faire ça ». Oui, parce que dans 20 ans, ce sera peut-être plus le cas. J'ai un petit problème avec vous quand même. Hein. Vous êtes trop fort. Ça dit, quand on est sur le fort, ça tombe plutôt bien. Faites attention néanmoins à une chose, restez toujours vigilant, bien concentré comme vous l'êtes. C'est le meilleur moyen pour récupérer le reste des clés, parce que souvent on a l'impression, quand ça commence à aller bien, de se dire, bon, bah, c'est bon maintenant, ça roule. Ce n'est jamais le cas, rien n'est gagné sur le fort. Vous allez maintenant participer à un petit exercice, d'accord? En randonnant tout, s'il vous plaît. Ça vaut également pour Passepartout et pour Sarah. Vous allez faire ce que je fais, d'accord? Baissez la tête. Bien. Levez le bras droit. Droit. Oui, Iris. Attention, levez le bras gauche. Oui, très bien. Levez la jambe droite. Très bien. Levez la jambe gauche. Très bien, parfait. Tu m'as l'air bien doué, hein. Tu m'as l'air bien doué. Mais Clément, tu m'as l'air plus doué que les autres. Je sais pas pourquoi. C'est l'impression que j'ai. Viens donc ici. Je crois que tu es fin prêt pour cette épreuve. Que la force soit avec toi. Allez, Clément, allez. Elle est où, la Clément? C'est parti. Allez, Clément. Allez, Clément. Alors, vous connaissez cette cellule? Comment elle s'appelle? C'est le tourniquet. Donc il doit donc dévisser les 6 petites vis qui emprisonnent la clé derrière une vitre. Avec les deux mains, Clément! Clément, fais-le avec les deux mains! Il est fort, vous êtes souple, mais il a tout de suite trouvé son rythme. Hein. On dirait qu'il a bien trouvé son rythme. Il faut qu'il, voilà, qu'il soit régulier le plus possible et qu'il dévisse bah, deux vis en même temps. C'est ce qu'il fait. Il n'y a rien à dire en fait. Bien, Clément, c'est super simple avec vous. Il n'y a rien à vous dire. Vous connaissez tout par cœur. Allez, Clément! Les dents. En plus, il a beaucoup de temps. Ça fait les dents, en même temps. Il a beaucoup de temps. Allez. Là, c'est bien. Pas, deux, mais j'ai l'impression. Je gère ça très très bien. Allez, c'est vrai. Voilà, voilà. Vous seriez de temps, il y en a encore. T'as encore du temps! C'est bien, Clément, c'est bien! Là, il faut l'encourager, il commence à. Allez, 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 Clément, allez, Clément! En tout cas, avec lui. Un petit peu essoufflé quand même. C'est super. C'est dur. C'est dur? Okay. Ouais, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Je crois que vous n'avez pas conscience. Est-ce que vous avez conscience de là où vous êtes et de tout ce que vous êtes en train de réussir? Tu l'as déjà vu cette cellule à la télé? T'en as vu qui ont raté cette cellule? Parce qu'il y en a un qui la rate. Hein. Ils sont plus grands que toi. T'as quel âge toi déjà? 12 ans. 12 ans. Bravo. Bon, on continue? Ouais, ouais. Allez, on y va. Bravo. Un petit cri de guerre. 3, 4. Pour la petite fois, le petit champion. Ouais. Rien à dire. J'arrive même pas à les suivre. Clément, bravo. Fier de toi. Bon, fier de vous tous d'ailleurs. Chloé, tu connais l'histoire de la fille qui remonte un mur glissant et qui glisse? Tu connais ou pas? Oui. Oui. Donc tu connais peut-être la chute aussi. Enfin, j'espère qu'il n'y en aura pas. Viens, reste donc ici. Chloé, bonne chance à toi. C'est mon coup. Et ça va glisser, c'est bon. Très dur, Chloé. Hein. Allez, allez. Allez, vas-y, Chloé. Alors, elle va devoir grimper sur un mur.
Alors, elle a plusieurs façons d'y arriver. Soit elle utilise les prises, et de toute façon, elle va devoir utiliser les prises. Soit elle peut faire ça d'un coup, tu vois, avec beaucoup d'élan. Il faut qu'elle aille sur la droite. Là, elle n'y arrivera pas. Dis-lui d'aller sur la droite. Tu peux faire d'un coup. Sur la droite. Dis-lui d'aller sur la droite parce que les prises... Va sur la droite. Prends de l'élan. Dis-lui de descendre, voilà. Et prends de l'élan. Elle va tout à droite. Prends de l'élan un peu. Super. Voilà. Prends de l'élan. Hey Chloé, allez. Faut dire que Chloé, c'est une championne de tennis. Et qu'au tennis, on utilise les bras et les jambes. C'est ça, hein? Je me trompe pas. Donc, elle a peut-être une chance de réussir. Allez, allez! En même temps, c'est vraiment très, très dur. Essaye de prendre de l'élan, Chloé, essaye! Continue! Allez, essaye! Alors, tu peux lui dire d'essayer de faire ça très, très vite. Elle prend de l'élan. Fais ça très, très vite et prends de l'élan! Et toujours sur le côté droit. Toujours mais sur toujours côté... sur le côté droit! Non, ça, là, c'est dangereux. Non, l'autre côté. Va à droite! De ce côté-là, il n'y a pas de prise. Il faut pas qu'elle aille là. C'est dangereux, à droite. Il faut qu'elle aille à droite et elle peut utiliser aussi le mur, tu vois, avec ses mains. Elle peut s'approcher. Utilise le mur avec ses mains. Dis-lui. Utilise le mur avec tes mains. Alors, plutôt utilise les mains sur le mur. Utilise les mains sur le mur. Moi, il faut qu'elle essaye encore. Utilise le mur. Loïc, qu'elle essaye une dernière fois, Sors. Qu'elle sort, ça y est, elle nous a entendu, elle sort. C'est trop dur, ce truc-là est trop dur. Je le dis tout le temps, c'est vraiment injouable. Si c'est juste. Ouais, il faut dire ça. Voilà. Ma Chloé, ouais. Bravo déjà, bravo. Tu sais, t'as juste fait une toute petite erreur, minuscule, mais t'étais tout le temps sur le côté gauche. C'est trop dur sur le côté de gauche parce que t'as pas de prise. Ouais. Mais c'est pas grave. Parce qu'on a combien de clés? 4. On a 4 clés, c'est déjà vachement bien. Et regardez qui est là-haut, Olivier? Oui, Sarah. Iris, c'est l'heure ou jamais de montrer au monde entier que tu as accepté de défier le père Foura au jeu de l'énigme. Est-ce que tu acceptes ce défi? Oui. Parfait, alors suis passe-temps. Il va te proposer... Allez, bonne chance, Iris, pour rejoindre le père Foura. Et vous me rejoignez ici au carnet. Allez, on va retrouver Olivier, on va regarder Iris. Bon, on peut pas gagner non plus à tous les coups, hein. Mais Chloé, tu t'es bien débrouillée, sache-le. C'est vrai, Sarah a raison, c'est une épreuve redoutable, le mur glissant. On va voir maintenant donc ce qui va se passer avec Iris. On espère bien sûr qu'elle va découvrir le mot qui se cache derrière l'énigme du père Foura, si tel ne devait pas être le cas. Donc si le père Foura jetait la clé par la vigie, Loïc, au basket, t'as l'habitude de transformer l'essai. Ici, tu vas te transformer en pirate pour monter au filet, tu vas déjà te préparer. Peut-être que cela ne sera pas le cas, mais on ne sait jamais. Autant que nous soyons prêts à toute éventualité. Nous, de notre côté, regardez, par là. Iris! Mais qu'est-ce qui se passe, Iris? J'en comprends plus, moi. Si vous êtes aussi fort pour les énigmes que pour les épreuves, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je vais tout fermer à double tour, moi. Hein? Puis ce qui m'étonne surtout, c'est votre volonté, votre détermination. Vous avez un secret? Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? Dis-moi. Du yaourt. Yaourt? Ah bon? Parce que moi, je prends du jus de migale avec des crottes de rat, mais ça croustille, hein, c'est bon. Mais apparemment, c'est moins efficace. Peut-être que je change. Alors, Iris, on va pour une petite énigme? On est concentré? Oui. Moi aussi. On y va. Elle peut contenir des mots magiques ou donner un résultat mathématique. Au restaurant, on l'a choisi par économie. Carte? Non. En écrivant, on l'utilise pour être poli. Allez, hop, le temps. Le temps. Allez. Mots magiques? Écoute, elle peut contenir des mots magiques ou donner un résultat mathématique. Au restaurant, on l'a choisi par économie. Merci. En écrivant, on l'utilise pour être poli. Qui est-elle, Iris? Allez, encore. Une assiette, Non. Oh là, elle regarde le sablier. Bah, voilà. C'était la formule. Ah oui. Oh oui, la formule magique du sorcier, la formule mathématique. Et au restaurant, une formule, c'est le menu le moins cher. Et la formule de politesse que l'on écrit à la fin d'une lettre. Hein? Bon, allez, on se moralise pas. N'oublie pas que
Et bah, il n'y a que le changement qui ne change pas. Je sais pas ce que j'ai dit, mais ça fait rien. Allez, allez. Bon, le père Foura jette maintenant la clé de la vigie. On va donc annoncer à Loïc que c'est à lui de vrai. Venez, suivez-moi. Dans le menu enfant, il y a du filet. Bon, Loïc, comme tu peux le voir, la clé est tombée là, sur le filet. À toi donc maintenant de grimper. Tu as le temps de cette clepsydre. C'est une clepsydre qui est très courte. Donc ne tarde pas. Bonne chance. Il y a une clé à la clé. C'est parti. Vous pouvez tenir le filet pour l'aider un petit peu à démarrer. Voilà. Pour que ce soit plus stable. Allez, vas-y, Loïc. Vas-y. Utilise ton jeu de jambes. Là, tu sais faire, hein. Continue comme ça, on l'encourage. Allez, allez. Reste plein de temps. Allez. Tu vois, il est déjà tout en haut. Je crois qu'il a la clé. Hein. Ouais. Ça y est, tu l'as? Ouais. Tu l'as ou pas? Essaye de lâcher mon bras. Regardez Iris qui vient nous retrouver, regarde. Il est en train de sauver la clé que t'as pas réussi à récupérer. Mais c'est pas grave, on l'a. On l'a, la clé. Bravo Loïc. Ouais. Génial. C'était trop facile. Ça va. C'était plus facile que l'échelle tout à l'heure, hein, parce que l'échelle t'a morflé là. Hein. Ça va mieux quand même les avant-bras? Allez, on continue. On suit passe-partout. J'ai entendu ces crevons. Eh oui, eh ben, sans doute qu'on fatigue un peu maintenant. Hein. Oui, vous avez vu, Fort Boyard, ce ne sont que des escaliers, en fait. Quasiment. Bon, eh bien voilà, l'honneur est sauf. La clé a été récupérée. Passe-partout, un point d'abord sur le nombre de clés en notre possession. 5. Plus que 2. Emma. Emma et Clément, venez près de moi, venez face à moi, tous les deux. Voilà, comme ça. Comme ceci. Voici un Boyard. D'accord? Et dans quelle main? Je l'ai. Attention maintenant. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Et dans quelle main? Celui-là? Eh non. Dans celle-là? Non plus. Faut suivre. Et le problème, c'est qu'avec l'épreuve qui vous attend, il va falloir être très attentif. Vous voyez un peu de quoi il s'agit? Bonne chance à tous les deux. Eh, hey, il y a Loïc qui arrive. Bravo! Oui, bien joué, Loïc. Loïc, tu peux donner la clé à Passepartout? Voilà. Voilà. Passepartout va maintenant ouvrir la porte. Attention. Trut. Allez Clément! Allez, on va les encourager. Vous, allez, Clément, vous le reconnaissez, c'est le magicien. Ils vont devoir donc récupérer 3 petites clés qui vont servir à ouvrir des cadenas. Une fois qu'ils auront ouvert ces 3 cadenas, ils pourront récupérer notre 6e clé. Ce serait la 6e. Alors, vous regardez bien, voilà. Vous pouvez les conseiller, vous regardez bien le moniteur. Alors, soit vous dites à droite, à gauche ou au milieu, d'accord? Allez, on suit. Là, vous voyez où elle est? La perdez pas de vue. Ah, il l'a fait passer là. Ouais. Alors, à gauche, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Non, c'était à droite. Non, c'était pas à droite non plus. Comment il fait? À gauche. Bah, c'est un magicien. Ouais, je sais. Mange le verre et il la prend avec la main. Ouais, je vais pas faire. Alors regardez bien. Il est où? Là, je crois que personne n'a d'idée. À droite? À droite. À droite. Non, ah non. Là, voilà. Là, là, vous regardez bien. On la quitte plus des yeux. Là, il est à droite. Là, il est à droite. À droite! À droite! Ah ouais, moi j'aurais pas dit à droite. Bon, comme ça marche pas, je vous propose une autre solution, une autre tactique. Vous dites l'inverse de ce que vous pensez. Si vous pensez que c'est à droite, vous lui dites à gauche. Ok. Surveillez le temps parce qu'il y a toujours un temps à respecter. Hein. Là, vous pensez rien. Moi, je dirais droite, mais au milieu. Il a mis que à gauche.
Ils ont... Attends, je vais faire. Là, je dirais où ? Oui, ici. À gauche. À droite, moi, je dis. Au milieu. Faut leur dire... Voilà. Au milieu. Oh là là, il est trop fort. Alors, cette fois, vous êtes d'accord pour qu'on utilise ma tactique ? Et il faut qu'ils sortent maintenant, il faut qu'ils sortent. Au milieu. Clément. Ouais. Emma. C'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais. Il est incroyable ce magicien. Mais... Il vous a eu? Enfin, moi je regardais où il mettait la clé et après, mais ça marchait pas. Et ouais, mais c'est ce qu'on appelle un magicien. Bizarre, hein. Parce qu'on s'est tous plantés, hein. On essayait de vous conseiller, on disait à droite, vous vous disiez également à droite, on n'a jamais... Pas un seul coup, vous avez réussi en plus. Non, il est trop fort ce magicien. Allez, on continue, on va pas perdre de vie. Hey, il est redoutable ce magicien. Je sais, j'arrête pas de lui dire. Sois plus sympa, mince. Rien, il veut rien entendre. Bon, cela dit, nous n'allons pas désespérer ainsi, hein, Sarah. D'autant qu'on est pourtant, on est pour le moment encore en bonne position, tous. Ici, dans la catégorie Jeune Espoir de Fort Boyard, il y a donc en nomination Yanis, Emma, Clément, Iris, Loïc et Chloé. Le gagnant est... Sarah, faites le tambour. Iris. La preuve est là. Allez. Iris, allez, bonne Iris. Chance à toi. Avec les petits draps là. Attention. C'est parti. Allez, vas-y Iris. Alors Iris. Vous le connaissez? Oui. Vous connaissez cette cellule? C'est les silences. Alors on va se calmer et surtout vous allez dire à Iris de se calmer. Qu'elle aille tout doucement, qu'elle se positionne, qu'elle... Doucement Iris. Quelqu'un parle, voilà, Loïc, très bien, t'es contre la porte. Il faut tout le temps qu'elle regarde la clé. Tout le temps, parce que si elle fixe un point en permanence, ça va lui permettre de trouver un certain équilibre. Alors, le grand avantage pour vous sur cette épreuve, doucement. C'est que plus on est léger, plus c'est facile d'avancer sur les cylindres. Vas-y. Ça s'est pris vraiment bien. Là, Iris, c'est bien. Alors là, je suis bluffée. Vous n'êtes pas bluffée? Iris, c'est incroyable. Mais c'est vrai que le fait d'être... Voilà, une toute petite plume légère comme ça, c'est un vrai avantage pour réussir ça, parce que c'est très très dur, hein. Très 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 dur. J'ai vu quasi personne réussir cette épreuve à chaque fois pour la faire. En plus du premier coup, t'es même pas tombée. Tu nous as même pas offert le luxe qu'on rigole un petit peu, qu'on te voit tomber. Non, rien du tout. Vraiment, bravo encore. J'arrête pas de vous dire bravo, mais c'est tout ce que vous méritez parce que ce fort est très très difficile. Passe-partout, on continue. Il reste plus qu'une clé à récupérer. J'espère que vous allez y arriver. Allez. Rien à dire. Épatant. Magnifique. Plus que ça. Formidable. Extraordinaire même. Les mots nous manquent à Sarah et à moi pour qualifier votre performance. Ici, parlons de choses concrètes quand même. Ici, il y a des seaux derrière cette porte. Alors comme je sais que vous avez passé l'âge de faire des pâtés, non? Oui. Enfin moi par exemple, j'aimerais encore en faire pour tout dire, mais enfin ça reste entre nous. On va donc pas utiliser ça pour faire des pâtés, on va plutôt utiliser les seaux pour récupérer la... clé. C'est bien, il y en a deux qui ont suivi, c'est déjà ça. Mais tiens d'ailleurs, Yanis. Présente-toi devant la porte, c'est toi qui vas y aller. À toi de jouer, mon grand. Bonne chance, c'est parti. Alors, vous le connaissez, celui-là. Vous la connaissez, allez, il faut qu'il monte sur les marches, tout de suite. Non, qu'il retourne devant la porte et qu'il monte sur les marches. Non, comme ça, il n'y arrivera pas. Dis-lui de faire le tour. Dis-lui de redescendre. Qu'il redescende et qu'il monte par les marches. Monte par les marches, il y a des marches. Voilà, très bien. Là, maintenant qu'il monte sur le tapis... Vous connaissez tous, hein, cette cellule. Allez, Retire-toi, Yanis. Tu dois prendre les sauts. Prends les sauts. Ah, il faut qu'il prenne tous les sauts. Il faut qu'il les décroche, les sauts. Décroche-les. C'est pas pour tomber dedans, non. Ah oui, non, il faut pas qu'il fasse tomber. Oh là
se tiennent pas. Calme-toi. Allez, criez-lui, criez-lui. Allez, 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 allez. Il trouve un jeu de jambes. Calme-toi. Oh, mais je me parle en dessous, Yannis. La clé, mais dis-lui que la clé n'est pas dans les seaux, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il cherche la clé dans les seaux. Yannis, la clé, elle est pas dans le seau, elle est devant toi. Il se retourne, il se retourne. Oh, Yannis, retourne-toi. Regarde, ce que tu peux lui dire, c'est qu'il s'entraîne sans seau à courir sur le tapis. Voilà. Donc tu mets un tapis roulant. C'est ça. Dans une salle de sport. Allez. Faut que tu mettes que des sauts. Allez, qui court. Allez, Yannis. Il y a le saillot. Il y a plus d'eau. Il y a plus d'eau maintenant. Oh là là. Oh ça, c'est plus là. Allez. Il y a plus d'eau. Faut qu'il sorte. Faut qu'il sorte. Je crois qu'il a pas compris ce qu'il fallait faire. Il la connaît par cœur, j'en suis sûre, mais il n'a pas dû la reconnaître, il a dû être impressionné. Yannis, Yannis, viens me voir, viens me voir. Où est-ce que tu croyais qu'elle était la clé? Dans un seau. Dans un seau, et c'est pour ça que tu les as tous vidés. Il fallait que tu prennes les seaux et que tu emmènes les seaux pour vider l'eau dans un petit flotteur de façon à ce que la clé remonte. Je suis sûre que si tu la vois à l'image... Tu la reconnais parce que tu as dû te marrer plus d'une fois en regardant cette cellule et puis tu as dû être voilà, totalement déstabilisé, impressionné. C'est ça? Mais vous savez quoi? Mais c'est dur, le truc avance vite. Ah bah, eh bah oui, mais c'est dur ici. Hein. Mais vous savez quoi? Six clés, il ne reste plus qu'une. On continue. Allez, allez, allez. Tu peux aller te changer si tu veux, hein. Et vous avez le droit de faire ça avec la boule. Qui a dit c'est trop bien? C'est trop de la balle, c'est trop bien, c'est trop génial. Ouais, ouais, c'est trop bien, mais pour le moment, mais tu vois plus beaucoup de clés arriver. Non. Yannis, viens donc ici. Viens donc ici, Yannis. Comment te dire, Yannis? Comment te dire après ce que tu viens de faire? Tu es bien mouillé, Yannis, voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Bon, ce qu'il y a de bien au moment, c'est qu'il fait chaud sur le fort. Emma, Emma, viens ici, ma puce, viens ici. Dis-moi, tu connais, tu aimes faire du toboggan? Viens ici, viens comme ça, parce qu'on te voit bien. Tu aimes faire du toboggan? Oui. Oui. Alors ici, sur le fort, rien ne fonctionne comme d'habitude. C'est-à-dire qu'ici, le toboggan, au lieu de te faire descendre, il va te faire monter. Voilà. Et au bout, il y a... Avec la clé. Oui, bien joué. Tiens, vas-y. Attention. Ah, Emma, la petite. Allez, Emma, allez. Allez, Emma. Allez, c'est le tube. Dépêche-toi, dépêche-toi, Emma. C'est le tube transparent. Alors déjà, ce que vous pouvez lui dire, ce que tu peux lui dire, Iris, c'est que c'est une cellule où elle peut rester prisonnière. Alors c'est une cellule où tu peux rester prisonnière. Bah oui, parce que si elle ressort pas en temps voulu, enfin si elle a pas réussi à ressortir du tube, elle sera forcément bloquée dedans. Donc là, ça va, elle a l'air de bien progresser. C'est vrai que ça aussi, c'est un autre avantage pour vous, puisque comme vous êtes petit, menu, mince, c'est trop mignon, vous pouvez progresser facilement dans ce tube pour récupérer la clé. Continue, c'est bien. Il faut quand même surveiller le temps. Alors, c'est plus difficile de redescendre que de monter. Il faut qu'elle la défasse, hein. Voilà, ça y est. Pas de allez problème. Et maintenant, il faut qu'elle redescende. Bien insérée dans le sens inverse, très bien. Doucement, t'as du temps. C'est incroyable ce qu'elle a fait parce qu'elle a réussi à se retourner dedans. C'est pour dire à quel point elle est petite. Comme... Allez, 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 tu retournes le refaire une deuxième fois? Tu pourrais, hein? Regarde tout le temps qui te reste. Ouais. C'est incroyable. Et vous savez ce que ça veut dire, ça? Septième clé. Bravo, sept clés. Alors ça, si ça vaut pas des applaudissements. Sept clés. Incroyable, incroyable, mais vrai, c'est arrivé. Eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à aller ouvrir cette porte, non? La salle du trésor, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, ouais. En plus, vous êtes pile poil à la fin du temps réglementaire. Parfait. C'est trop bien, ça. Au début, je croyais qu'il fallait passer dans la trappe, mais c'est impossible. Allez, venez. Ne perdons pas de temps.
Autant que vous n'en avez pas perdu pendant cette première partie de jeu. Bravo. Alors vraiment, félicitations à vous six. On n'a pas arrêté de le dire, on est presque à devenir gaga. Hein. Même pas de prisonniers. On radote maintenant. Pas de prisonniers. Les 7 clés, Passepartout va vous les donner à chacun. Il y en aura un de vous qui en aura deux. C'est logique, puisque vous n'êtes que 6. Vous allez déverrouiller maintenant la porte de la salle du trésor. Et puis ensuite, nous parlerons des festivités qui vous attendent. Attention, déverrouillez. Une fois que vous avez tourné la clé, vous pouvez revenir à votre place. C'est bon. Vas-y Clément, tu peux attendre à deux, toi. Voilà, Iris, c'est bon. Yanis, tu peux revenir à ta place. Clément, tu reviens à ta place aussi. Voilà. Loïc, parfait. Et Emma, c'est bon. Bon. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Vous allez devoir passer par la salle du conseil des maîtres des ténèbres. Vous n'avez pas de prisonniers, vous savez que d'habitude sur le fort, cette confrontation permet aux équipes qui ont des prisonniers, eh bien de les libérer. Ici, puisque vous avez été très bon, vous allez pouvoir gagner du temps supplémentaire pour recueillir les boyards tout à l'heure dans la salle du trésor. Soyez donc toujours très vigilants, vous fonctionnez très bien entre vous, ça ne devrait pas changer. Tiens, ceci, Sarah, est une clé qui devrait vous aider tout à l'heure, tu leur expliqueras pourquoi, une clé magique en effet. Vous avez utilisé les 45 minutes qui vous étaient données pour les 7 clés, donc il n'y aura pas de report de temps. Je vous propose de se retrouver dans un petit instant. Pas la peine de m'envoyer une carte postale parce qu'on va pas tarder à se revoir. A tout à l'heure. Vous savez à quoi elle va servir cette clé? Vous n'avez pas d'idée? Si, à ouvrir la porte du conseil. Vous êtes pas long. Allez, on te suit, Passepartout. Maître des ténèbres, nos invités d'aujourd'hui sont des enfants. Que leur jeune âge ne vous empêche pas d'officier comme il se doit. Ça va? Ça va. Vous êtes toujours en forme? Ouais. Heureux d'être ici? Ouais. Je ne sais pas si vous allez l'être encore dans quelques instants. Regardez, vous vous souvenez, ça c'est la clé qu'Olivier m'a donnée tout à l'heure. Elle va nous servir à ouvrir ce coffre. Est-ce que vous m'autorisez à ouvrir ce coffre pour vous? Oui, c'est vrai. Alors, je l'ouvre. Qui sait ce qu'il y a dedans? Les nez. Il y a des noms dedans? Non, ça va être la surprise. Regardez. Qui l'ouvre? Iris. Emma. Ouvrez tous les deux. Oh là là. Allez, qui? Allez, Clément, tu prends le diamant. Et tu le mets dans la tête de tigre. Afin d'ouvrir donc la porte du conseil. C'est bon. Emma, Clément, rejoignez-moi. Vous avez entendu qui l'a appelé? Non. Clément, Emma. Clément, Emma, allez-y, bonne chance, bon courage. Hein. On vous attend. Allez. Bienvenue au conseil. Emma, Clément, vous allez d'abord commencer par un défi. Le voici. Clément, présente-toi ici. Emma, va juste de l'autre côté en face. Voici en quoi consiste ce défi. Tu as face à toi, Clément, vas-y, monte sur la caisse en bois. Tu as face à toi donc des petites rondelles de bois vissées. À toi de les dévisser pour faire apparaître les codes qui se trouvent cachés. Il y a ainsi 4 chiffres qui te seront dévoilés, Emma, 4 chiffres qui te permettront, en les remettant dans l'ordre croissant, d'ouvrir ce coffret qui est à côté de toi. Dans ce coffret, il y a le complément de temps de 10 secondes qu'il vous est donc possible d'acquérir pour la salle du trésor. Êtes-vous prêts tous les deux? C'est parti. Attention, le temps est limité, il ne faut pas trop tarder. Tu me donnes la rondelle. Ah, 2 et 4. 2, 4. Compose-les peut-être déjà. Regarde. Tu es habitué à avoir ces petites bestioles-là chez toi? Non, pas du tout. Elles ont l'air d'être assez tes amies. Hein. Voilà, allez, vite comme simplement, très bien. Oui! 5 et 9.
C'est bon. Tu peux ouvrir maintenant le coffre. Faut que tu soulèves par l'avant. Et apparaît les billes qui représentent les 10 secondes dont je vous parlais. Tu viens, Emma, c'est toi qui vas le faire. Maître du temps te montre comment tu vas introduire les billes là-dedans. Ouais, n'en perds pas une. Très bien. Parfait. Très bien joué. Bravo à tous les deux. Laisse comme ça, laisse les maîtres des ténèbres s'en occuperont. Je vous propose maintenant de quitter le conseil et vous demander à Chloé de venir me rejoindre. Ça a roulé là. Ça t'a impressionné? Ça t'a impressionné ou pas? T'as pas eu peur? Les mains tremblaient un petit peu? Chloé, rejoins-moi. Chloé. Allez Chloé. Bon courage. Allez Chloé. Allez Chloé. Bienvenue au conseil. Approche. Place-toi ici. Tu es face à l'un des maîtres des ténèbres pour un duel. En voici le principe. Vous avez chacun des pièces de monnaie. Tu commenceras à en placer une dans le gobelet qui est devant toi. Le maître des ténèbres suivra jusqu'à temps que l'un de vous deux ne fasse couler le gobelet en question. Celui qui le fait couler aura perdu. Il y a 10 secondes supplémentaires dans la salle du trésor. Peut-être pour vous. Bonne chance. Jouez. Cette pièce-là aurait été fatale. Tu l'as peut-être posée avec un peu trop de force, non? Ouais. Je suis désolé, Chloé. Malheureusement, le maître des ténèbres a gagné. Pour une fois, tu peux quitter le conseil et tu demandes maintenant à Yanis et à Iris de venir me rejoindre. Oui. Merci. Viens, ma petite Chloé, alors. Yanis, rejoignez-moi. J'ai gagné du temps tout à l'heure. Iris, Yanis. Allez-y, compte sur vous. Hein. Allez. Bienvenue au conseil. Iris, je t'en prie, va par là-bas. Yanis, tu peux monter sur ce coffre de bois. Iris, finis ici, rapproche-toi un peu. Tu vas regarder, toi, très attentivement, ce qui va se passer. Yanis, tu mets la main dans l'aquarium. Il y a des bêtes dedans. Tu les saisis et tu les fais passer de l'autre côté de l'aquarium. D'accord? En faisant ainsi, tu découvriras un code à 4 chiffres, mais ces chiffres te seront présentés ainsi, comme une carte perforée. D'accord? Ici, par exemple, ça représente quel chiffre? 7. Oui, bien joué. Iris, bien sûr, te guidera. Yanis, bonne chance à toi. Jouez! Ah, fais gaffe. Là, t'en as une sur le côté. Mais celles-là ne cachent pas le code, ce sont celles qui sont en bas. Mets ta main, vas-y, n'aie pas peur, ça te fera rien. Vas-y, allez, enfonce. C'est des grenouilles. Allez, vas-y. Tu peux décrire à Yanis ce que tu vois, hein, Yanis. C'est un gros crapaud et plusieurs grenouilles. T'inquiète pas, il est que comme ça. Oui. Allez, vas-y, enfonce. Allez, vas-y, non, là, il n'y a rien, vas-y. Tu es plus loin dans l'aquarium. Plus bas. Attention, il est en dessous. Il faut mettre tout le bras. Allez, vas-y, si allez, tu mets pas tout le bras, tu n'y arriveras pas. N'oublie pas qu'il y a 10 secondes supplémentaires pour vous, peut-être. Oui, vas-y. Attrape-le. Attrape-le.
Attrape-le complètement. Il faut le prendre à pleine main. Allez, vas-y. C'est un gros pépère. Aïe, 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 aïe. T'inquiète pas, ça fait rien. Ça fait rien, vas-y. Il est... Aïe, aïe, aïe. Sur le côté, tu le places sur le côté. Voilà, prêt. Attention, te fais pas mal. Ça sert à rien de te faire mal. T'inquiète pas, vas-y, allez. Va plus bas, va plus bas. Là, y'a... Allez, vas-y. Vas-y, va plus bas. Va en bas, encore, vas-y. Encore. Là, je l'attrape. Encore, vas-y. Vas-y, attrape. Vite, il bouge. Encore plus bas. Il faut que tu ailles plus bas, Yanis. Beaucoup plus bas. Plus bas, Yanis. Plus bas. Voilà, il faut balayer. Tu sais, comme si tu retirais de la neige. Voilà. Vas-y, vite. Si, c'était bien ce que tu prenais. Va plus en avant. Ils sont moins dangereux. Mais là, je touche quoi, là quand vas-y, descends. C'est une grenouille. Ouais. Avant, c'était un gros crapaud. T'as fait plus dur. Allez, vas-y, ils te font rien. C'est... Là, c'est quoi, là, je trouve. Il faut balayer avec la main. C'est la meilleure méthode. Une grenouille, fais comme ça. Pense aux 10 secondes supplémentaires que vous pourriez acquérir. Prends. Tu peux les manipuler avec douceur, tu sais. Mais c'est des grenouilles. Oui, vas-y, prends. Voilà, sur le côté. Très bien. Ouais. Allez. Le problème, c'est qu'il y en a une centaine, donc il faut plutôt balayer, comme si tu avais ta main comme une pelle. Si mais oui, il faut... Vas-y, pour voilà. Que je vois le code. Il faut les monter. J'en vois presque un code. Oui, vas-y. Voilà, bien, Yanis. Bien. Ah. Vas-y, Yanis, il y en a une qui... Ah. Oh, c'est un crapaud, là. Non, c'était une grenouille. T'as touché le plus gros. Allez, vas-y. Presque, il y est pas je encore. Sais pas, là. Bah, c'est quoi là? Aide bien sauter. Si elle ne cherche qu'à sauter de l'autre côté, là. Mais il faut les encourager. Vas-y, descends, allez. Vas-y, Yanis. Oh, c'est gluant. Mais c'est gluant, c'est des grenouilles. Si tu retires le bras chaque fois, tu y arriveras pas, Yanis. Bon, allez. Allez, tu prends ton courage à deux mains. Allez, ouais. 1, 2, 3, vas-y, Yanis. Allez, montez là-bas. Oui, elles comprennent pas trop le français, hein, je crois. Vas-y, y en a une qui essaie de monter, mets ta main là. Oui, vas-y. Pour moi, c'est quoi? Vas-y, tu y étais presque. Fais gaffe, il y a une anguille. Ah, il y a une anguille? Il peut y avoir une anguille, en effet. Oh là là. Le temps passe énormément, Yanis. Nous perdons beaucoup toi, de temps. Combien? Pour le moment, nous n'avons aucun chiffre composant le code. Oh. Aucun vite, chiffre. La jambe. Vas-y. Hey, attendez, je crois que c'est 2. Allez, tente. Mais tu restes... Dis-moi où. Plus bas. Là, vas-y. Baisse ta main. Voilà, baisse encore. Là. Vas-y, attrape, Yanis. Yanis. Attends. Yanis n'aime pas les grenouilles. Non, j'aime pas. J'adore. Allez, vas-y, descends. Ben, c'est trop tard. Je suis désolé, Yanis. Désolé à vous. T'as attrapé le plus gros, hein. Voilà, tous les amis que tu avais avec toi, à portée de main. Là, t'as attrapé ça. Tu as quand même apporté. Tu te rends compte du trophée que tu as eu? Bon, le problème, c'est que ce n'est pas suffisant. Vous n'avez pas pu en récupérer le code. Et donc, malheureusement, vous allez devoir quitter le conseil maintenant, sans rien d'autre qu'une mission pour vous. Je vais demander à Loïc de venir me rejoindre. Allez-y. D'accord. C'était dur là, hein. Oh, Yanis, c'est pas tes copains. Loïc. Non. Des anguilles, des crapauds. Loïc, rejoins-moi. Allez Loïc, vas-y. Allez Loïc. Bienvenue au conseil Loïc. Bien. C'est un duel qui t'est proposé face à un des maîtres des ténèbres. En voici le principe. Je te rappelle que tu joues pour 10 secondes supplémentaires dans la salle du trésor. 10 secondes supplémentaires pour récupérer des boyards. Voici des clous, en équilibre instable. Tu seras amené le premier à en retirer un. Le maître des ténèbres suivra jusqu'à temps que l'édifice ne s'écroule. Le premier qui fait tomber l'ensemble a perdu. Je pense que c'est clair, messieurs. Jouez!
critique. Misérable. Je qualifie ça de misérable. De remarquable, te concernant. Maître des ténèbres, procédez. Voici les 10 secondes supplémentaires. Suis-moi. Tu vas maintenant l'introduire voilà, dans ce tuyau. Fais bien attention à ne pas en perdre une. Ce sont des billes. En tout, cela fait donc 20 secondes supplémentaires. Récupère le tuyau, Loïc. Voilà, saisis-le. Tu vas pouvoir rejoindre tes camarades maintenant. Et bravo. Combien de temps au total? 20 secondes. C'est énorme. Ça va vous permettre de ramener plein d'autres boyards. Bon, ça va? Ça vous a impressionné, le conseil? C'est Yanis. Yanis, je t'ai senti un petit peu flippée. Assume! Assume ça! Ouais, mais... Hein? T'osais pas les toucher, les crapauds. C'est pour ça qu'ils sont bien, alors. Quand tu touches leurs pattes... Ils attrapent le plus gros, hein. J'attrape un gros crapaud. Moi, je vais t'en mettre plein dans ton lit ce soir, mais en attendant, on va suivre Passepartout et on passe aux aventures maintenant. Et les 20 secondes, on les a là. Allez. Messieurs, vous avez été extrêmement moyens aujourd'hui. Mais j'avoue m'en féliciter pour mes amis. Comme ça, avec joie, parce que vous vous êtes très bien débrouillé dans la salle du conseil. Vous avez donc récupéré 20 secondes supplémentaires. Loïc, derrière Passepartout se trouve l'entonnoir où tu vas pouvoir verser maintenant, vas-y, le contenu du tube de tanker. Voilà. Très bien. Tu t'es pas fait des amis auprès des tigres, car bien entendu, ça leur fera 20 secondes de plus. Enfermé. Nous allons maintenant parler de la dernière phase de jeu qui vous attend. Vous le savez, ce sont les aventures. C'est le moment ou jamais maintenant d'être encore meilleur que ce que vous n'avez été, puisque vous allez pouvoir récupérer des indices. Yanis, tu vas suivre Passe-Temps pour la première aventure. Tu vas t'équiper. Nous allons te rejoindre dans un moment. Allez, Yanis. Vous le savez, avec ces indices, vous allez donc pouvoir trouver le mot-code qui vous permettra, je l'espère, de faire tomber le trésor et donc de récupérer le maximum de boyards. Une chose est certaine, de toute façon, bravo à vous, d'ores et déjà, 3000 euros pour Petit Prince. Voilà, ça c'est fait. Ça s'applaudit. Allez. T'es fier de là. Ah mais vraiment. On y va? Prêt? Ouais. C'est parti pour 20 minutes. Allez, on s'y passe partout, on continue et on s'amuse autant que tout à l'heure. Hein. Et encore plus. Nous voici donc à ce que l'on appelle le pont de singe. Oui. Oui. Pont de singe donc pour Yanis. Alors on vous avait demandé de ne pas trop faire les oeuvres jusqu'à présent. Là, tu vas pouvoir faire le singe. Pas merveilleux ça? Oui. Bon. Tu connais le principe? Ah oui, faut... Faut glisser. Faut glisser. Faut pas trop glisser justement. Faut t'accrocher. Il faut que tu t'accroches en effet à la deuxième corde. Et que tu arrives donc jusqu'à l'endroit où se trouve une petite clé. Cette clé ouvrira cette boîte de métal où se trouve la cartouche. D'accord? Allez, Yanis! Allez! Bravo, Yanis! Bravo! Yanis, tu peux faire? J'ai un pied en bas. Allez, Yanis, allez! C'est parti! Allez, c'est parti, Yanis! Marche en travers! Écoute, c'est bien, c'est une tactique assez particulière. Maintenant, plus rien ne m'étonne puisque ce matin vous avez tout fait à votre façon et c'était plutôt réussi à chaque fois. Allez, vas-y, Yanis, plie tes jambes.
plie tes jambes, trouve ton équilibre. Tu sais que tu as un temps qui est imparti dans, dans cette aventure. Donc il ne faut pas non plus perdre trop de temps. Allez Yanis, allez. Essaye de faire ton plus grand pas. Comment tu te sens Yanis? Bien. Ça va. C'était un petit ça va ça. Allez Yanis, allez. Allez Yanis. On trouve ton équilibre. Trouve ton équilibre. J'ai l'impression tout d'un coup que tu l'avais au départ, mais là tu l'as reperdu. Aïe aïe. Ah. Vas-y, fais-nous. Ouais. Allez Yanis, impressionnant. Ça bouge trop la corde. Le temps, et on ne te le donne pas, mais il y a un temps qui est imparti. Et à partir du moment où le temps est fini, le cartouche qui se trouve à l'intérieur de la boîte va exploser. Tu y es presque. Allez, une fois que tu arrives à toucher la clé, tu l'arraches, d'accord? Pas trop fort. Et surtout, ne la fais pas tomber. Allez, Yanis, c'est vachement bien. Allez, vas-y, maintenant tu la prends, la clé. Tu la prends. Stabilise-toi, prends-la, génial. Attendez, voilà, c'est bien, tu l'as mis autour de la main, du bras, c'est le principal. La clé est en sécurité, maintenant il faut que tu reviennes. Regarde-nous Yanis, regarde-nous. Fais grand pas. C'est très bien ce que tu fais, vraiment. Purée. Il se débrouille très bien. Allez Yanis. On retrouve bien là le mental de petit champion. Recalme-toi, stabilise-toi. Quand tu sens que tu perds l'équilibre, il vaut mieux que tu t'arrêtes plutôt que tu tombes. Hein. Les regarde pas, allez-y. Allez, Yanis. Allez, reste doucement. Allez, Yanis, tout dans la tête. Oh, mes bras. Perds pas l'équilibre. Allez, Chloé, je te désigne pour... Attendez, Clément, tiens, viens là. Jusqu'au bout. Chloé, tu récupères la clé dès que c'est possible et très très vite parce que j'ai très peur que ça explose. Ça serait dommage qu'on... Vite, récupère la clé, Chloé. Donne la clé, vite. Libère ton bras, vite. Génial. Allez, vite, on perd plus une seconde parce que si ça explose devant nos yeux, là, on va être très énervé. Génial. Arrache. Voilà. Alors, c'était génial. Oh. J'étais crevée des bras. Oh, ça fait mal. Non. T'as eu peur à un moment donné? À un moment donné, j'ai senti que tu perdais l'équilibre. Tu sais que tu risquais pas de tomber, hein, mais t'as eu peur de perdre l'équilibre. Bravo, vraiment bravo. Bravo Yanis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes fière de Yanis? Ouais. Ben moi aussi, je suis très fière. Bravo. On continue. Yanis, est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que tu te sens prêt à continuer? On continue, passe partout, on est prêt à te suivre. Tu vas là. Non, ça, on en a plus besoin. C'est génial. Nous avons donc une première cartouche. Okay. Très bien. Bon, je trouve que ça commence très fort. Nous avons peut-être une deuxième cartouche. Elle se trouve ici. C'est pas beau ça, une cartouche si près de nous? Le problème, c'est que comme vous le remarquez, elle est fermée. Et pour avoir le code, va falloir aller là-dedans. Une fois que les trappes seront ouvertes, Loïc, je sais pas, tu aimes les animaux en peluche ou pas? Est-ce que tu aimes les animaux en peluche? T'aimes pas les animaux en peluche? Alors tu devrais être heureux là-dedans parce qu'ils sont pas en peluche, ils sont vivants. Tu vas voir, c'est très sympa. Passe-partout, passe-temps, ouvrez donc la trappe. Iris, Iris, ma belle. Toi, tu vas partir. Deux petites secondes. Iris va suivre passe-temps pour s'équiper pour la prochaine aventure. Nous allons maintenant laisser Loïc œuvrer. Sarah va tout expliquer. Bonne chance à vous, Loïc. C'est maintenant ou jamais. Allez. Loïc. Le code, il est à récupérer en deux parties. Tu as deux morceaux de papier à récupérer. Allez, vas-y. Lance-toi déjà l'échelle, ça tu sais faire. Allez, faut que tu y ailles là. Ouais, mais... Tout est dans la tête. Vas-y, Loïc. Allez, Loïc. Le temps
on commence maintenant à s'écouler, donc on va pas perdre de temps. Va sur les chaises déjà. Déjà, va sur les chaises. Là, il n'y a pas de temps. Allez, faut le faire. D'accord, je vais vraiment t'aider. Et tu vas arriver à surmonter ça. Et tu vas être très, très content tout à l'heure quand tu l'auras fait. Même si tu n'arrives pas à récupérer les petits codes, tu vas être fier de toi, tu seras content de l'avoir. Loïc, si tu m'écoutes bien, je te promets qu'on va réussir. Allez, Loïc, ces serpents ne le piqueront pas, ça c'est sûr. Oui, t'en as un sur les pieds. Ça sera mieux quand t'auras les pieds par terre. Allez, descends maintenant. Tu ne risques rien. Allez, vite, il y a un petit serpent qui vient nous dire bonjour, là. Regardez. Salut. Allez, va mettre tes pieds par terre. Non, mais sérieux, je peux pas. Mais si tu peux. Tout est dans la tête. Loïc, écoute-moi. Le plus dur, c'est d'avoir ouvert cette trappe. D'être venu sur le fort, c'est beaucoup plus difficile que d'affronter des serpents. Sérieux? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Dis-moi ce que je peux faire. Il est en train de ta place. Moi, je veux bien, mais j'ai pas le droit de prendre ta place. Regardez. Bon, allez, Chloé, tu prends le relais. Non. Allez, vas-y. Si. Allez, t'as encouragé Loïc. Montre que les femmes sont... Montre comme les femmes sont fortes. Vas-y, allez, tu es formidable, Chloé. Regarde. Ils sont tous en train de partir. Allez, viens. Allez, vas-y, Chloé. Montre-nous. Allez, vas-y, Chloé. Allez, Chloé. C'est une femme. On est femme. Non, allez, Chloé. Chloé. Regarde, Loïc. Va juste mettre les pieds par terre. Je peux pas. Qui se sent prêt? Oh, allez, vas-y, Chloé. Moi, j'y vais. Allez. Bon, il y a Clément qui s'est lancé. Allez, Clément. T'inquiète pas. Ils te piqueront pas, ils ne feront rien. Allez, vas-y, Clément. Ah, c'est chaud. T'as décidé, maintenant, tu vas jusqu'au bout. Allez, Clément, t'es prêt. On t'a pris au mot. Ah, mais il m'a niqué le pied. Clément, montre que t'es plus fort. Allez, vas-y. Non, il de rien du tout. C'est juste une petite égratignure. Vas-y, descends. Allez. Allez, Clément. Ah, t'as voulu jouer au primeur? Assume maintenant. Allez. On est fait ça. Allez, Clément, il est rentré là. Sinon, j'envoie quelqu'un d'autre. Ouais, je veux bien. Allez, vas-y, Emma. Non. Allez, Emma. Non. C'est trop joué. Mais c'est quoi ça? Ça va s'éteindre. Allez. Il n'y en a aucun de vous qui est capable juste d'aller en bas, juste de leur dire bon, ça y est, c'est éteint. C'est fini. Bon, vous avez tenté, Loïc, bravo. Clément, bravo d'avoir tenté également. Chloé, bon, on continue parce que là, on a perdu du temps quand même et on n'a pas récupéré d'indices. C'est impressionnant, mais vous savez quoi? Il y a 4-5 serpents, moi, que j'ai vu sortir et puis on va les rencontrer très certainement dans le fleuve. Allez, Chloé. Allez, on y va. Allez, on s'y passe partout. Allez. Iris, t'aurais pu, toi, rentrer dans la cage aux serpents? Peut-être. En tout cas, tes copains... Bah alors, Loïc... il vient, et alors, tu arrivais, et forcément, vous vous êtes rencontrés... Et voilà, il dit... Oui, il s'est fait piquer, là. C'est sale bête, hein. Ah, ouais. Bon, nous allons voir maintenant ce que va donner, donc, Iris avec cette épreuve. Iris, je vais te présenter ce qui t'attend. Passe-partout, ouvre l'écoutille. Tu sais, dans les contes de fées, généralement, les grenouilles se transforment en princes charmants. Eh bien, chez nous, on transforme des jolies princesses comme toi en hommes-grenouilles. C'est ce qui va se passer maintenant. Tiens, voici une paire de lunettes qui te servira. Tu as ici un outil qui te sera également d'une grande utilité, car tu vas suivre un fil d'Ariane. Et au terme de ce fil d'Ariane, eh bien, tu trouveras donc une cartouche. D'accord? T'es fort en apnée, toi, on m'a dit. Hein. Donc ça devrait aller. Vas-y, prépare-toi. Allez, Iris, allez. Je te donnerai l'outil après. Allez, mets-toi déjà sur l'échelle. Vas-y, mets-toi sur l'échelle. Voilà. N'oublie pas ceci, Iris. L'eau est froide, Iris. Et Emma, toi, il ne faudra pas tarder à suivre Passe-Temps pour la vigie, car le perforat aura une petite énigme de derrière les fagots à te proposer. Bonne chance, Iris, c'est parti. Si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de soutien, si tu veux nous écouter, tu remontes à la surface et on essayera de te crier. Mais perds plus une seule seconde, vas-y, c'est parti. Vous pouvez suivre sa progression là-haut sur le moniteur. Elle va traverser une maison en petit, c'est le nom de l'aventure. Elle est super, hein.
très très bien. Là aussi, c'est aussi un autre avantage d'être petit, menu. Ça permet de se faufiler un peu partout. En plus, c'est une bonne nageuse. Hein. Là, elle est poursuivie. Tire le fil avec toi. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. L'outil qui est accroché. Tire l'outil avec toi. Si elle l'a dans ses mains, là. Oui, c'est le fil qui va. Voilà, c'est très bien. Tu le fais passer dedans, tu récupères l'outil à la sortie. Il est juste en bas, tu replonges, tu le récupères, prends ton souffle. C'est très difficile, hein. Ce que tu fais de toute façon, c'est une des aventures les plus dures. Repose-toi 30 secondes. Allez, Lisa, allez. Tu as le temps, repose-toi un petit peu, prends ton souffle, respire, fais des grandes respirations. C'est formidable ce que tu es en train de faire, parce que c'est très très dur. Il faut se concentrer, il faut maîtriser son souffle. Repose-toi. Ça y est, continue, hein. C'est très bien. Ah, il y a des trucs en dessous. Alors, Iris, prends ton souffle. Beaucoup, parce que maintenant, tu vas faire une apnée, on va dire, un peu plus longue. D'accord. Vas-y. Allez, Iris. Allez, vas-y, Iris. Allez, Iris, allez. Vous me dites, hein. Elle est dans la cheminée, c'est génial. Bravo. Allez. Génial. N'hésite pas à te reposer quand t'es fatiguée. D'accord. Allez. T'es presque au bout, t'es presque arrivée à la bulle d'air. T'as peur? Tu vas sous la bulle d'air. Quand tu seras sous la bulle d'air, tu pourras respirer. Vas-y, on compte sur toi, je suis sûre que tu vas y arriver. Voilà, génial. Là, elle peut respirer sous la bulle d'air. Elle a réussi à dévisser. Maintenant, il faut qu'elle se dépêche parce que là, si ça explose, déjà, Iris va être très déçue, mais elle est au moins très énervée et vous encore plus. Faut vraiment... Dépêche-toi, Iris! Elle a tout réussi. Allez, il faut vraiment qu'elle arrive à récupérer ce... Je suis désolée de pas dire ça. Oui! Ça y est, elle l'a! Wouh! Iris! Viens vite, viens, on t'attend. On va te faire des câlins, des bisous, on va te prendre dans nos bras. C'est formidable ce que tu viens de faire. Je crois qu'elle va être crevée quand elle va sortir de là. Je crois qu'elle va être juste dans le genre. Tenez ! C'est génial, Iris, on est fiers de toi. Viens nous retrouver, on t'attend avec impatience. Viens, ma belle. Par où ? Tu reçois le fil d'Ariane, mais t'as plus besoin de faire tout ce que t'as fait. Reviens. Là, je crois que tu vas dormir pendant 3 jours. Viens. Allez, viens. C'était dur, hein. Tiens, passe partout. La belle. Bravo. Allez, tout le monde l'applaudit. Bravo, bien, je te fais un gros bisou. Je suis toute nue, c'est pas grave. Comment tu te sens? Ça va. T'as froid, t'es fatiguée. Tu vas dormir pendant 3 jours ou pendant une semaine, là? Une semaine. Bon, comme t'es frigorifiée, tu vas te changer, d'accord? Nous, on va aller voir ce que Emma fait avec le père Foura et tu nous retrouves, d'accord? Et encore bravo, c'est génial, tu peux être fière de toi. Allez, on y va, on suit, passe partout. Bravo! À tout de suite, hein. Vraiment que d'émotion. J'ai bien cru qu'elle n'y arriverait jamais. Ah! Et maintenant, c'est au tour d'Emma. Bonjour ma petite Emma. Bonjour. Vous savez, j'ai cru à un moment donné vous étiez des extraterrestres. Ben oui, tout ce que vous faites, vous le réussissez. Et jusqu'au moment où je vous ai vu dans les serpents. Et là, ça m'a rassuré. Bon, vous êtes prête? Oui. Vous êtes intimidée là, hein, j'ai l'impression un petit peu. Hein.
Attention, c'est pour gagner un indice. Trois définitions. On se décontracte, on respire. Première définition, la voici. La voilà. Mon indice prend souvent la forme d'une pépite. Graine ? Non, 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 encore, encore, Emma. Allez, deuxième définition. Il faut garder en mémoire la première. Mon indice est un métal précieux. L'argent ? Le bronze ? Oh, oh. L'argent ? Non, 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 encore, encore, un métal précieux. Le bronze ? Non, il y a encore beaucoup plus précieux que ça. Et rouler sur mon indice est symbole de richesse. L'or ? Mais c'est ça, hein ? Vous êtes d'accord, Pasteur, c'est ça ? Mais oui, mais il me semble bien que vous allez partir avec un indice, ma petite Emma. Ça fait quoi, ça ? Dans le genre ? Plaisir, j'espère. Oui. Alors on descend et on va apprendre la bonne nouvelle à tous vos camarades. Vous avez un indice ? C'est le mot « or ». Allez, 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 allez. Oh, elle était tellement concentrée. Ils ne sont pas encore partis. Déjà, ils me manquent. Je vais pas rester au bord des larmes parce qu'à mon âge, je risque de tomber. Bon, ma chère Chloé, heureuse d'être venue ? Oui. Quand même, malgré tout ? Oui. Bien, nous allons essayer avec toi de récupérer encore un indice. Il y a Emma qui était chez le père Fourage. Je ne sais trop ce qui s'est passé en fait avec cette énigme, mais nous allons le savoir dans un instant. Te concernant, quand tu étais petite, je suppose que tu aimais soit sauter à la corde, oui, soit jouer à l'élastique. Oui. Eh bien ici, sur Fort Boyard, on mélange les deux, ça nous donne sauter à l'élastique. Voilà. Tu l'as déjà fait ? Non. C'est la première fois ? Oui. Mais attendez, gros baptême là, oui, pour Chloé. Et je reconnais que déjà pour les adultes, c'est impressionnant. Je peux donc comprendre que ça le soit aussi pour toi. Tu as donc face à toi la cartouche. Le mieux, c'est après simplement de se laisser sauter. Antoine va tout expliquer et donc de récupérer cet indice. Bonne chance à toi. Il n'y a pas ce temps, ça veut dire que Emma est derrière. Emma, est-ce que tu as eu l'indice ? Oui. C'est quoi ? Déjà, bravo. 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 Et l'indice, c'est quoi ? Or. Or, de l'or. Oui. Comme boucle d'or. Oui. Alors, très bien. Emma, tu vois, toi, tu as vu le père Foura et Chloé, elle va voir le vide. Chacun son truc. Allez, bonne chance. Nous, on va descendre, Chloé. On t'attend en bas, d'accord ? On va regarder là. On va aller la regarder d'en bas, on va l'accueillir en bas. Oh, allez, on suit, passe partout, passe temps. Oh, et on se dépêche parce que ce serait dommage de rater le... Allez, Chloé ! Allez, Chloé ! Allez, Chloé ! Les autres, hein. Il y en a deux autres. Hein. Wouh ! Là, je suis bien ennuyée, là. Allez, Chloé ! Oui. Pense au petit prince. C'est trop dur ça. Je peux pas, je vais tomber. Je vais... Tu vas pas tomber, t'es accroché. Tout bon. Pour toi. Il peut rien m'arriver. Il peut rien m'arriver. C'est pas grave. Ok. Elle a perdu vite. Ah. Deux. Oh là là, ou trois, là, je cale et je... Allez, pense aux enfants qui te regardent. C'est pas, c'est trop impressionnant, c'est... Ça, c'est impressionnant. On l'encourage un bon coup. Allez, Chloé. Allez, Chloé. Allez. Allez, Chloé. Ouais, il faut que j'y aille, c'est pour l'équipe, pour les petits princes. Quand vous allez entendre la je veux juste savoir ce qui récupère en main. Tu vas pas me laisser, j'espère. Mais si ça lâche ou pas. Il y a une libellule. Désolée. Bon, c'est pas grave, on va rester calme. C'est pas grave du tout, on t'en veut absolument pas. Je peux te dire que déjà tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est formidable. Viens vite nous retrouver, ma belle. Et on va quand même te faire des gros câlins et tu es quand même une championne. Vraiment. Allez, on va à la salle du trésor, on te suit passe-partout. Je vous attendais. Eh bien, c'est bien silencieux tout d'un coup tout ça. Vous êtes un peu déçus, c'est ça ? Oui ? Ils ont pas de quoi être déçus, ils peuvent être fiers d'eux. Ben oui, soyez en effet très fiers de vous. Vous avez été de très très bons candidats jusqu'à présent.
Chloé, c'est vrai, n'a pas sauté, mais il faut dire que déjà d'avoir été comme ça au coup de la passerelle, c'est déjà un dépassement en soi. Nous allons voir maintenant ce que va donner donc cette salle du trésor. Vous le savez, vous avez quelques indices avec vous. Il est important maintenant de découvrir le mot-code. Passepartout vous donne les cartouches. Récupérez, vous allez les ouvrir ici. Allez. Souvenez-vous que Emma avait trouvé le mot or déjà. Il y a déjà or. Or. C'est bon. Alors, tu vois, tu dévises comme ça. Ouvre la cartouche. Vas-y, tu peux tirer. Puis tu... Il faut vite se dépêcher. Tu ouvres la cartouche, tu prends le petit morceau de papier. Tiens, donne-le-moi. Hop, on va le lire tous ensemble. Merci, ma chérie. Et là, vous avez le mot récompense. Récompense. Médaille. Moi, ça me paraît logique. Revers. Médaille. À coup. Le médaille, ça vient dans le coup. Ah oui, mais, avec l'or, un coup d'or, ça voudrait dire médaille quoi d'or. Médaille d'or. Médaille. Médaille alors. Médaille. Vous voulez pas perdre sacrifice. Le gong vient de sonner. Alors, attention, ça veut dire que la grille va bientôt s'ouvrir. Revers. Récompense, or. Médaille d'or. Récompense, la médaille d'or, c'est une récompense. Voilà. Allez, vous êtes sûr? Vous êtes sûr ou pas? Bien, ma chérie. Est-ce que vous savez comment ça s'écrit, médaille? Oui. C'est bien remarqué. Alors. Chloé, bon, on est sur médaille. Alors, on va s'organiser, d'accord? Toi, tu t'occupes du M et du E. Toi, tu t'occupes du D et du A. Toi, tu t'occupes juste du I. Toi, tu t'occupes des deux L. D'accord? Et toi, tu t'occupes du E. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez, Iris. Dites bien à haute voix les lettres dont vous êtes occupé. Hein. L. Loïc, tu te mets sur l'autre L. Qui est sur le L? Alors, M. Le M. Qui a le M? Le D. Le E. M, E, D. A. Qui a le A? Le boulet. Le boulet, très lui. Bien. C'est bon, c'est Emma. Le L. Très bien. L'autre L. Yannis. C'est le boulet. Ah non, c'est... Et le E. Ben, dans ce cas-là, tu peux te mettre sur le retire le boulet, mais place-toi sur le comme ça, voilà. Tout le monde participe. Allez, vite, vite, vite. Retournez-vous, regardez maintenant vers là où le trésor, normalement, se présentera devant vous. Félindra, tête de tigre. Ça m'a l'air d'être une belle moisson tout ça, on va voir ça dans un instant. Allez, on va la peser. Allez-y. Eh ben voilà, le temps passe vite. Hein. Nous voici déjà arrivés au terme de cette aventure. Vos impressions? C'était super. Trop bien. Ouais. Pas trop fatigué? Un petit peu. Iris est crevée. Iris, t'as un peu fatigué toi? Oui. Ouais. Là, si je vous disais, on repart là pour un tour. Ok. Malgré tout, elle dit ok. Bon, nous allons voir maintenant ce qu'a donné cette chasse au trésor. Grâce, à Anaïs, grâce à Mélanie, Johan, accompagné par Passepartout et par Passe-temps. Voici que nos enfants apportent maintenant les voyages pour les plus grands.
ça m'a l'air lourd tout ça. Ça m'a l'air très lourd. Alors, avant de voir le résultat, voyons le résultat. 18 320 euros, mais c'est génial. Vous avez littéralement braqué ce fort, hein. Bravo. C'est superbe. Ouais. Superbe. Je vais vous dire, il y a des grands ici qui viennent et qui feraient bien de prendre exemple sur vous. Hein, parce que c'est pas toujours le cas. C'est très rare. C'est très rare. Revenons quand même sur ce mot médaille. Vous avez hésité à un moment donné. J'avais moi la cartouche magique avec l'explication sur tout. Et vous aviez donc quand même quelques indices. Peu, cela dit, vous avez été brillant également parce que vous vous êtes débrouillé sans créer de prisonniers, de sacrifices. L'or, vous aviez raison, la médaille d'or attribuée aux Jeux Olympiques, vous le savez, la récompense, une médaille est une récompense. Et le revers, c'est pour le revers de la médaille. Une expression qui signifie le mauvais côté ou le fâcheux côté des choses. Voilà donc ainsi cette aventure achevée sur une belle note, 18 320 euros. Ça c'est vraiment une belle somme. Voilà, tout ça pour les petits princes. Sarah, il faut vraiment avoir conscience de ce que vous avez fait parce que c'est extraordinaire et je pèse mes mots et c'est sincère. Vraiment, bravo à vous. Vous en aurez de belles façons cette millième et en même temps les 15 ans du fort, car vous le savez, ça fait 15 ans maintenant que Fort Boyard divertit plusieurs générations. Et à ce propos, dans un instant, je vous retrouverai avec Sarah pour évoquer ces 15 années. On fêtera ainsi l'album de famille. A tout à l'heure donc. A bientôt. Dans quelques minutes. Et à bientôt surtout à vous. Hein. Merci encore d'avoir été des nôtres. Bon, c'était génial. Vous vous êtes éclatés. Alors, moi, j'ai retenu 2-3 trucs. Déjà, j'ai retenu Loïc et les serpents. Avec un élan de générosité, de solidarité venu de Clément. Non, t'inquiète pas, je vais y aller. Et puis là, tout de suite, on est un petit peu flippé. Je sais, Chloé, que tu es déçue un petit peu de ne pas avoir sauté. Mais je te jure que tu as été au bout de ton courage. Et ce que tu as fait, c'est extraordinaire. C'est valable pour vous tous. Et on était ravis vraiment de vous avoir sur ce fort, parce que vous savez que cette émission, elle est également regardée par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, et je pense qu'il y en a plus d'un aujourd'hui qui rêverait d'être à votre place. Donc merci infiniment. On rappelle quand même que tout l'argent que vous avez ramené aujourd'hui, tous les boyards, c'est pour l'association Les Petits Princes, destinée à tous les enfants malades, et leur donner la possibilité de réaliser leurs rêves. C'est votre cas à tous les trois, vous êtes venus sur le fort. Oui. Vous étiez content ? Oui. Oui, très impressionné. Hein. Oui. Bon, avant de repartir avec ce pactole, on voulait, avec Olivier et toute l'équipe du fort, faire des gros bisous à tous les enfants, surtout à tous ceux qui nous envoient du courrier tout au long de l'année, des lettres, des dessins, de temps en temps des cadeaux, parce que ça nous touche et ça nous donne envie à chaque fois de vous retrouver. Et c'est à chaque fois avec beaucoup de bonheur qu'on vous retrouve. Également, un gros bisou à tous les parents qui signent ces lettres. Voilà, alors on va regarder, vous regardez. Vous pouvez regarder cette caméra pour faire des bisous à tout le monde. Moi, je regarde celle-là pour vous faire des bisous. N'oubliez pas également que vous avez le site internet france2.fr pour nous poser des questions, pour nous raconter vos impressions, nous dire ce que vous adorez, ce que vous détestez, ce qui vous fait peur. Et nous, on se fera un plaisir à chaque fois de vous répondre. Bon, nous, on prend ce pactole. Qui le porte ? On le porte tous ensemble. D'accord ? Et au revoir. Allez. Des gros bisous à tout le monde, aux enfants, aux parents, aux grands-parents. Je le dis à chaque fois, mais ça vient du cœur, c'est sincère. Salut. Un petit cri de guerre, un dernier cri de guerre. 1, 2, 3, Loïc. Pour le petit prince, les petits amis sont là. Bravo. Allez, on y va. Pour cette millième, nos candidats nous ont prouvé que le talent et le courage n'attendaient pas le nombre des années. À bientôt pour une nouvelle émission. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Dans la prochaine émission, ce sont les L5 au grand complet qui seront sur le fort pour de nouvelles aventures, de nouvelles émotions et surtout beaucoup de frissons.